Salut tout le monde, aujourd'hui à nous porter un zin pour vous, mes amis. Zin pété sous président Jovenel avec Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, Jean-Bertrand Aristide, lui, je fais président gros honte, oui là, gros honte, ça a été déception totale capitale, mes amis. Ça a été chargé. En tout cas, avant d'entrer dans le détail, n'a pas oublier que ou sous Chanel Marchandzin, ici là c'est zin nou bay, nous pas vannzin, mais cependant nous toujours dit ou prêtez nous jè ou ak zorey ou et puis prend ti chaise ba ou sortant de ya zin pété. Jodi a nous pral parler sous déception que président Jovenel Moïse prend là, c'est un bagay tête chargé. En pile moun nan opposition ap griye dans sou président, en pile proche président tout, yo vraiment pas content de jè sa. Nou konnen depuis quelque temps président Jovenel Moïse li vraiment en bas gros pression opposition. Nou wè ki jan opposition de lòk peyi a et nan et semaine février qui s'est passé depuis commencé 7 février jusqu'à 15 16 février peyi a lòk. En haut, pas monter, en bas, pas descendre. J'ai toujours dit la plume ne bouge. En tout cas, moment ça a été passé, t'as pas le vin gagné, on calme. Mais calme ça qui te vient. Est-ce que ça veut dire pays a juste fret tout bagay vin ok? Mais c'est pas du tout ça. Eh bien, président, bon côté parle, il était décidé pour rencontrer en pile ancien chef d'État, en pile autorité, en pile monde qui peut-être capable porter des idées constructives pour vraiment améliorer l'état pays d'Haïti là, dans l'état société Haïti là. Eh bien, président Jovenel Moïse, te wel li vraiment nécessaire pour te rencontrer de moun tant que Jocelyn River et tant que Jean-Bertrand Aristide, tant que Éric Jean-Baptiste ancien candidat à la présidence, tant que Jude Célestin. Donc président Jovenel te vle rencontrer plusieurs cadres nan politique là pour te capable wè comment yo te cap troke idéo nan yon façon pour mettre Haïti sur une route de développement, sur une route de changement, Jean Litaponil nan campagne il y a parce que Jean Bayo paraît dit là, c'est yo y est là, c'est comme si ndadou deux pieds président Jovenel nan yon sel grain soulier. En tout cas, bagay yo là, yo man gomé. Président Jovenel li écrit yon lettre avec ancien président Jean-Bertrand Aristide. Mais Jean-Bertrand Aristide ça qui vraiment déceptionnant, li pa même recevoir lettre là. Ancien président Aristide pa recevoir lettre président Jovenel Moïse. Ça c'est yon honte. Vraiment yon honte. Le yon président de la République, premier citoyen, écrit yon ancien président d'ailleurs li fait idée dans yon cadre de dialogue pour ta faire une rencontre, d'échanger idée jeune jour là, mais président ancien président Aristide lui-même li dit bagay comme ça, li pa la donne, li pa recevoir lettre là et famille Lavalas qui c'est parti politique Aristide là, yo fait connait et c'est une cité yon moun nan membre dans famille Lavalas qui c'est leader et principal yo a qui t'a l'élection pas bon qui c'est Maryse Nassis. Docteur Maryse Nassis li déclaré que après élection frauduleuse yo, yo pa reconnaître Jovenel Moïse comme président. Docteur Maryse Nassis, ancien candidate à la présidence, li dit que c'est dans fraude Jovenel Moïse te gagné élection hein? Alors président Jovenel Moïse li dit que c'est dans fraude li te gagné élection hein? Li pa gagné yon bon élection, c'est dans fraude. Alors c'est peut-être ça, yo même yo pas reconnaître président Jovenel comme président pays d'Haïti. Yo pas reconnaître bagay comme ça. Parce que yo estime que c'est dans fraude Jovenel Moïse te gagné pouvoir. C'est dans même idée ça, dans même optique ça qui fait ouais ancien président Aristide li pas recevoir l'aide. On a rappelé que porte-parole
et président qui c'est Jude Charles Faustin, c'est lui qui confirmait exactement que président Jovenel Moïse t'a envoyé une lettre by leader charismatique famille Laval à Saint-Jean-Bertrand Aristide et monsieur refusé lettre là. Tête chargée, Jean Pays a parlé là mes amis, bagay yo vraiment vraiment tête chargée, yo vraiment tête chargée. Et pense que c'est moment pour tout haïtien ta penser mettre tête ensemble, ta penser faire yon vraiment faire union pour nous retirer Haïti dans sa lié là, parce que union c'est seul bagay qui va sauver pays d'Haïti. Ou même k'ap gade vidéo a, est-ce que vous pensez démarche président PIA dans cadre dialogue pour rencontrer plusieurs cadres, plusieurs figures dans société haïtienne nan? Est-ce que vous pensez son bon démarche la fait? Est-ce que vous pensez son bon idée? Quittez un commentaire, dit comment ouais démarche président prend. En tout cas, n'a dit tout le monde, bye bye, rendez-vous pour une autre vidéo, une autre nouvelle.